Eh bien salut tout le monde. On se demande pourquoi je suis revenu. Ouais, je me pose la question aussi. Bah je suis revenu pour vous, évidemment. Je suis revenu pour retrouver toute la troupe. Euh, bon, déjà, le stream démarre. Euh, vous avez l'air d'avoir l'audio, donc c'est juste énorme. <laughs> On va faire avec les petites victoires. Hein. Bon, ouais, j'espère que vous avez passé euh, de bonnes semaines. Hein, que vous n'avez pas été sage pendant mon absence. Euh... On va essayer de se faire un petit calme 151 histoire de, de redémarrer dans la joie et la bonne humeur. Euh, tac. Comment je vais faire aujourd'hui On va faire comme ça. Yes. Donc le premier truc que vous avez vu, c'est voilà, c'était euh, mon absence. C'était un bon petit séjour en Malaisie. Euh, si vous avez la chance de pouvoir y aller, je vous conseille. C'est vraiment euh, c'est vraiment un pays euh, très, 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 très agréable avec euh, plein, plein de choses à voir, de gens à rencontrer. Euh, c'était vraiment un, un bon moment avec un petit passage euh, bien caché au fin fond d'une île, euh, pas touristique, rien du tout. Là, c'était top. Donc, ça a permis de, de bien euh, faire le point et s'isoler. Et puis, euh, toc! Évidemment, ça ne marche pas comme je voudrais. Je voulais enchaîner avec le dernier élément que vous avez vu. Voilà. La dernière photo, c'était. Euh, bah, je suis rentré euh, le lundi et puis euh, jeudi, vendredi, euh, c'était euh, Mixit à Lyon. Euh, donc euh, j'avais euh, le bonheur cette année euh, d'être sur un stand euh, avec OVH et euh, d'être à la maison parce que Mixit, c'est un peu la maison. Donc c'était vraiment. Euh, une belle ambiance. Ça s'est terminé bien sûr vendredi après-midi euh, avec les enfants euh, à mixtein. et c'était euh, comme d'habitude euh, extra. Euh, j'ai... Euh, ça a fait rire Aurélie qui est passée par là et Egoose. Euh, J'étais euh, à quatre pattes en train de jouer avec des petites euh, abeilles robots euh, qu'on programme avec des touches. Et puis j'ai aussi vu euh, plein de, euh, bah, de super programmes, de super jeux. Euh, euh, fait euh, alors c'était du scratch c essentiellement ce que j'ai vu mais il y avait un peu de python aussi donc c'était euh, un grand grand moment donc j'avais aussi le, le fiston et et les filles aussi de certains et certaines d'entre vous donc c'était euh, un vrai plaisir de les accueillir euh, hop, je m'aperçois que la caméra est bien sûr pas droite elle a pas supporté les vacances bichette donc voilà ça a fait un bon retour comme dit Aurélie euh, euh, bah, pendant mes vacances, euh, il a fallu aussi qu'elle gère euh, qu'elle gère des vox donc euh, ça lui a fait un bel enchaînement <laughs> faut que tu te reposes maintenant Aurélie euh, mais euh, je vous cache pas que rentrer avec euh, encore un bon décalage horaire dans les gencives, euh, ça permettait d'être bien réveillé le matin pour attaquer la conf hein, pas de problème, hein. 4h30, 5h j'étais réveillé donc euh, c'était euh, impeccable et euh, comme le précise là dans le, le chat euh, Aurélie euh, elle a ça lui a permis de connaître un des, un des programmes qu'on utilise euh, qui s'appelle Pirates mais je vous en avais déjà parlé, vous savez euh, c'est du, du code qui permet de diriger un petit pirate qui doit sauter les obstacles, éliminer des adversaires et puis euh, le but c'est d'arriver jusqu'à un coffre à chaque niveau et euh, pour faire ça, bah, on découvre plein de notions euh, de boucles enfin, on, on découvre la programmation euh, en Python petit à petit donc euh, voilà, comme ça tu as pu le voir en grandeur nature et puis, bah, c'était toujours un, un bon moment pour échanger avec plein, plein de monde. Merci à toutes celles et tous ceux qui sont passés sur le stand, parce que, sachez, quand on est sponsor, on, on est aussi tributaire de, des gens qui viennent nous voir et nous parler. Donc, c'était un bon événement, un bel événement, et c'était bien agréable. Euh, ceci étant dit, j'ai essayé de récupérer un peu les différentes actualités. Alors, je pensais qu'avant euh, qu moi, il y aurait euh, Olivier. Qui, pour des raisons de TGV, si je ne dis pas de bêtises, était fort occupé. Alors, je vais essayer de retrouver du coup, il y a un, un lien, j'étais sûr que lui en parlerait, donc je l'avais enlevé. Tac-tac-tac. Évidemment, je ne le retrouve pas, mais je le laisserai probablement qu'il fera, qu'il refera une émission et qui vous en parlera. Il y a eu la euh, publication euh, de MS-DOS 4, si je ne dis pas de bêtises qui visiblement était un DOS un peu particulier. Donc je ne sais pas s'il si pourra vous en dire plus. Euh, au revoir le, le scammer hein, euh, qui vient nous casser les couilles dans le, dans le, dans le chat. Donc je ne sais pas si je l'ai reçu que moi ou si vous l'avez reçu aussi. Si vous l'avez reçu, je m'en excuse. Ça fait partie des trucs où je me suis dit qu'il allait falloir euh, que je mette en place un petit peu euh, de, la, de la modération. Euh, un peu plus facile que ce que j'ai aujourd'hui à travers OBS parce que c'est pas pas simple donc je verrai je verrai comment je vais gérer ça mais euh, je me suis promis de mettre en place un peu de modération euh, pour éviter ce genre de, de saleté donc voilà et euh, sans plus attendre je vous ai pas parlé euh, de de MS DOS mais tac je vais vous copier le lien de la première chose que je voulais vous partager euh, bah, ce tombe bien qui Monsieur Kigor, qui soit là, puisque ça le concerne, c'était un échange de tweets de Sylvain, qui, voilà, de fil en aiguille, euh, on est arrivé dans un tweet à nous présenter le langage euh, essentiel à connaître aujourd'hui, à savoir Emoji Code, parce que, évidemment on peut coder avec des emojis. il euh, n'y a, a pas de raison. <laughs> Donc. Euh, je, je n'ai évidemment pas euh, eu euh, le temps d'essayer. Mais euh, voilà, il faut utiliser des fichiers avec l'extension euh, emoji euh, grappe de raisin. Ça me paraît essentiel. <laughs> non, de là à dire que, que, que Philippe est un, est un scammer, effectivement. Et euh, voilà, il était dans les échanges, donc. Euh je n'ai pas tout à fait regardé ce qui se passait. J'ai cru comprendre que démarrer un programme impliquait de mettre un emoji euh, de drapeau de début de course et la fin du code, c'était une pastèque. Donc euh, voilà, vous, vous pouvez voir quelques exemples là où euh, en utilisant le smiley d'un petit homme qui rigole et euh, ABC, ça fait une chaîne de caractères qu'on peut afficher. Euh, M'en demandez pas plus parce que je n'ai aucune idée de jusqu'où on peut aller. Et ça me fait peur de me dire que ça doit aller vachement loin parce que je vois qu'il y a des input méthodes, euh, il enfin, y, y a tout ce qu'il faut visiblement pour en faire un, un langage. Donc euh, je vous invite à aller regarder ce merveilleux projet euh, qui, n'ont pas douté, va révolutionner le monde de l'IA euh, et, et Kubernetes parce que c'était le, le hype code juste avant euh, l'IA. Donc il n'y a, y a, a pas de raison. Et euh, si ça vous fait rien, euh, puisque je parle dans le vide depuis tout à l'heure. Euh, merci d'Andrakees d'avoir tilté. J'ai complètement oublié de vous partager l'écran depuis tout à l'heure. Alors on la refait, on retourne dans les guides de langage et euh, on vous explique comment l'installer. Et donc ce que je vous disais, c'est que euh, le fichier va commencer avec un, un drapeau. Alors, je vais zoomer un peu. Hop. Vous voyez, à chaque fois, on a un drapeau pour commencer et une pastèque pour terminer. Donc c'est un peu plus clair quand vous l'avez sous les yeux. Et il y a le support des classes, comme le dit Philippe. Euh, c'est pas possible. C'est pas possible. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Euh, voilà, on peut compiler les programmes. Voilà, les, les exemples. Toc. On peut créer une liste qui commence par Popcorn et qui finit par Aubergine. <laughs> Et euh, le groin de cochon euh, permet d'accéder à l'élément euh, d'une liste. Et euh, effectivement, ça va manquer de launching for emoji code. Donc, euh, je savais que ça vous plairait. Donc, euh, j'attends de vous euh, des exemples extraordinaires à base de. De tous, ces, de tous ces possibilités euh, fabuleuses qui semblent être offertes par Emoji Code. Donc euh, amusez-vous, éclatez-vous avec Emoji Code. Euh, voilà, parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Euh, j'ai pas non plus euh, pris le temps. Déjà j'ai fait une liste, mais de là à la mettre dans mon stream deck, il ne faut pas déconner. Hop. Ce que je voulais vous partager ensuite, c'est ce repository. Euh, si je ne m'abuse, voilà, ce qui est intéressant de choper, c'est que ici, il y a une playlist d'initiation à Pygame. Pygame, euh, qui est un, un framework Python euh, alors qui permet de faire des jeux, mais qui, d'une manière générale, permet d'accéder un peu à tout ce qui va être euh, graphique. Donc, euh, donc, je pense que ça peut, ça peut intéresser certains d'entre vous. Je, je note hein, vos excellentes suggestions de faire un long chain for Emoji Code de créer un talk avec Emoji Code pour les exemples. Euh, ne lance pas des défis complètement au hasard, Stéphane. Tu sais que tu peux te retrouver euh, parmi les victimes. <laughs> Fais gaffe Je me permets de prendre un petit café parce que je vous cache pas qu'il me manque une trentaine de degrés entre la Malaisie et, la, et, et Lyon. Là. Euh, si je vous parle de ce, de ce petit repo d'initiation à Pygame, eh c'est parce que je l'ai découvert pendant, euh, pendant Mixit en fait euh, sur, sur notre stand on avait un, un, peut-être que je peux vous le trouver tiens on va le faire Hop, que je vous montre ça Hop. Euh, je l'avais pas dans ma recherche on avait a gagné une boîte extraordinaire qui était la boîte de lego stitch et franchement c'était trop 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 joli et donc euh, ouais il a fait fureur à juste titre euh, parce que je trouve ça juste extraordinaire c'est vraiment euh, c'est vraiment superbe donc en plus avec la fureur de Thierry, les oreilles qui peuvent monter descendre enfin c'est euh... C'est vraiment extra. Ça fait une, euh, déjà une belle taille de figurine, on voit sur l'échelle. Sur et donc, euh, bah, c'était un petit concours. J'avais euh, mis en place. Euh, alors, ça a marché à Devox. Alors, ça marchait à la Cubecon, ça marchait à Devox. Là, ça a marché à Mixit. On avait l'Open LED Race sur le stand. Euh, et euh, oui, je pense que c'est un cadeau d'anniversaire idéal pour plein de personnes. Et euh, on n'avait pas d'enjeu sur l'open address. C'est toujours l'open address tel que je vous l'ai décrit. Hein. Il fonctionne plutôt bien maintenant. Euh, je vais pouvoir attaquer la V 2 Je vous en avais déjà parlé suite au conseil de framboise. Euh, tu viens de te faire voler ton téléphone Non, non, non. Je pense qu'il faut vraiment que tu achètes ça, à Fanny. Stéphane, tu dois acheter ça, à Fanny. C'est obligé. Bon bref, il y aura des évolutions, je vous tiendrai au courant, euh, j'ai déjà commandé une petite alimentation, un peu d'aplomb, euh, je vais essayer de faire un, un truc encore plus costaud, encore plus robuste. Euh, je vais probablement attaquer les modifs euh, au moins pour avoir... Euh, ce qui m'a manqué par exemple, c'est que le mode démo se déclenche s'il n'y a pas de partie en cours au bout d'un certain temps. Sur un stand, c'est toujours plus sympa d'avoir un peu des, des LED qui clignotent et qui tournent en mode démo. Donc j'essaierai de faire une contribution là-dessus. Et puis derrière, ben on verra sur la V2 jusqu'où je peux aller. L'idée c'est d'aller jusqu'à une version avec un Raspberry PiCO. Et puis très certainement, il va falloir que je fasse aussi un test, on en avait parlé, de la version TinyGo. Puisque eh bien, nous sommes au programme avec Aurélie d'une conférence française où il va falloir qu'on fasse un talk sur TinyGo en extérieur sans slide donc euh, quelque chose de visuel je pense qu'on fera une démo avec euh, avec l'Open Race et euh, il faudra que je teste la version TinyGo, bien sûr et on verra jusqu'où euh, tout ça nous emmène. Euh, bah, ça drift gentiment, je sais plus. Ah oui, voilà, je sais pourquoi je vais vous parler de ça. Revenons à la raison donc euh, on avait à gagner ce ce Lego euh, Stitch, et euh, c'était donc un tirage au sort. Et euh, donc les gens, juste, ils avaient juste à donner leur, leur prénom, leur nom, il n'y avait pas il y avait zéro engagement à rien, bien sûr. Et euh, bah, j'avais une liste euh, dans, une, dans un tableau, et puis bah, il fallait tirer le numéro de la personne qui allait gagner. Et euh, bah, le matin, je me suis dit, oh là qu'est-ce que je fais Est-ce que j'utilise Il doit bien y avoir une macro directement dans Drive ou autre. Je me suis dit, oh, ça me saoule. Euh, deuxième idée, euh, je vais écrire deux lignes de code de Python qui vont faire un random. Donc là, c'était euh, c'était l'idée, euh, ça va être vite fait. Et puis une fois que je me suis assis en arrivant le matin à l'ouverture pendant que les gens arrivaient, je me suis dit, oh, euh, ça serait quand même sympa que il euh, y ait un énorme chiffre euh, qui s'affiche sur l'écran. Et puis on fait plein de randoms à toute vitesse. Et puis on désigne quelqu'un qui vient appuyer sur une touche du clavier. Et tac, ça fera le numéro qui a gagné. Et donc je me suis dit, bah, je vais faire ça avec Pygame. Je n'avais pas le temps de reprendre et de faire ça pendant trois plombes. Je suis tombé sur une vidéo justement de cette série sur Pygame qui affichait un compteur et en fait, donc c'était l'exemple un compteur à rebours, pardon et j'ai pris l'exemple 17 donc qui est ici qui est un exemple avec une jolie police de caractère pour la peine en plus et qui était assez court et finalement pas complexe et je l'ai adapté à la volée euh, voilà c'est ça, euh, plutôt que de faire plouf plouf quel est le numéro, le temps que Scrally aille se prendre un, un thé, elle est revenue et j'avais fait une application. Alors, je vais essayer de ne pas... Donc, je ne sais plus sur quel étrange je l'ai foutu. Si, bah c'est bon, je peux vous le montrer directement là, ça va marcher. Hop. Euh, hop, 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 hop. Il faudrait que je prenne le temps de regarder si on ne peut pas avoir une touche pour Switcher le color theme, quand je vous fais une petite diffusion là, qu'on passe en mode light, c'est quand même plus lisible pour vous. Et voilà, donc euh, Pygame pour ceux qui ont jamais euh, jamais vu Pygame, donc c'est une, euh, voilà, une librairie hein, qu'on installe de manière assez simple. Euh, bon, là, c'est juste quelques petits réglages pour les dimensions de la fenêtre qu'on va ouvrir. Voilà, on lui indique simplement qu'on va initialiser tout l'ensemble qui va, qui va nous être utile pour Pygame. Donc il y a plein de choses, hein, la gestion d'un buffer pour euh, switcher et afficher sur l'écran. Il y a aussi un, un éventuel boucle, il y a des timers, enfin il y a plein plein de choses. Euh, ce qu'on fait derrière, donc ça c'était aussi dans l'exemple, c'est on va récupérer le petit fichier qui était à, posé à côté, qui permet d'avoir une, une jolie fonte de caractère, avec, vous allez voir un aspect un petit peu comme ça, bubble, effectivement. Euh, L'avantage c'est que Py euh, PyGame permet de manipuler une horloge, c'est euh, euh, pour le, le rafraîchissement et les FPS, hein, j'avais gardé ce qu'il y avait dans l'exemple. On crée une fenêtre euh, qu'on va utiliser ensuite pour l'affichage, j'ai laissé, il avait mis un, un petit titre, on remplit le fond, euh, j'ai gardé le compteur même si du coup c'est devenu l'objet, je vous dis c'est du... Euh, speed et, et dirty hein. et il manque pas un seul point virgule parce qu'en en fait le point virgule ça sert à rien dans le code stéphane va falloir que ça rentre hein. <laughs> et, euh, et voilà la petite boucle qui détecte juste deux choses si on est en train de fermer l'appli ou si on a appuyé sur une touche euh, si on quitte bah on quitte si on appuie sur une touche on arrête de générer et la boucle qui est ici c'est ça on affiche le fond d'écran si on est en mode génération bah on génère un nombre donc là euh, hop Endure à l'arrache hausse, au dernier moment j'avais combien de personnes 52, j'ai mis 52. Et euh, on affiche le message qui correspondait euh, euh, au numéro. Donc vous allez voir tout de suite quand ça tourne. Tac, c'est parti. Donc voilà, on avait une fenêtre donc, qui rendait beaucoup plus gros, parce que là vous êtes sur mon écran principal, mais euh, comme j'étais juste sur le... Sur l'écran du MacBook en 13 pouces, ça occupait quasiment tout l'écran. Et donc voilà, ça faisait plein de chiffres qui défilaient. Et quand la personne appuie sur la touche Entrée, voilà, ça faisait un tirage au sort pour savoir qui était, en l'occurrence, l'heureuse gagnante euh, de la boîte de Lego Stitch. Euh, je vois, vous n'avez pas prévu à Nantes Maker euh, Ben écoute, euh, euh, j'aimerais beaucoup aller à Nantes Maker parce que c'est un événement qui me plairait. Mais euh, je, je, je vois pour l'instant, tant que j'ai pas mon open ledress, on en reparlera où je vais raccrocher les wagons avec des produits chez OVH. C'est compliqué d'aller de, à des événements comme ça. Et je rêverais bien sûr d'aller discuter et de rencontrer Framboise 314, euh, dont je suis régulièrement les conseils. Euh, et nous avons. La spécialiste des dates de conférence qui nous dit que Solitech début juillet, c'est les mêmes dates que Nantes Maker. Ah Donc là, oui, effectivement, euh, ça rend le truc plus compliqué. Et effectivement. Mais c'est dommage, mais euh, à étudier pour euh, après à la rentrée, et puis pour 2025, si euh, j'arrive pas à, à aller un peu dans les conf makers, euh, présenter des produits euh, comme on a là pendant l'émission ou... Ou sur le Discord dont je ne vous ai pas mis le lien et que Kung Duo, il va me gronder si jamais je ne mets pas le lien. Euh, mais en fait, il va pas me gronder d'abord ce vilain, parce que sachez qu'il était à Kuala Lumpur en même temps que moi, et qu'on n'a pas réussi à se voir. Tech c'est dans le sud, tout à fait, c'est à Montpellier. Euh, voilà. Nous avons donc hop, ce petit bout de code que je voulais vous montrer. Et. Qu'est-ce que j'avais d'autre dans hop, ce que je Ah oui, bien sûr. Nous avons hop, un dernier sujet qui va vous plaire, mais on en avait parlé brièvement, c'était euh, z 8-bit computer, un projet d'ordinateur de... avec un Z80 comme processeur. Et euh, en l'occurrence, si je ne dis pas de bêtises alors je ne sais pas s'il est français mais c'est un francophone puisqu'il a répondu à des tweets en français euh, j'avais bien entendu alors au début c'était on ne pouvait pas l'acheter tout fait hein, c'était uniquement un kit je me permets de boire mon café parce qu'après j'enchaîne sur le boulot et euh, Et bien entendu euh, j'avais commandé ce produit miraculeux alors. Comme je suis un très mauvais élève, je n'ai pas préparé hop, euh, hop, la caméra qui va me servir. Yes! Deux secondes, je la positionne. Hop! hop toujours ce superbe bras articulé j'avais oublié à la seule conférence où j'en avais eu besoin bien sûr sinon c'est pas drôle euh, qu'est ce qu'il me fait là c'est le seul mode qui m'intéresse pas voilà et donc normalement si ce n'est qu'il n'est pas basculé en mode paysage c'est évidemment comme d'habitude ça c'est vraiment un truc euh, voilà voix Là, la... superbe tapis. Donc, j'ai commencé euh, la phase euh, soudure que j'ai soudé à l'envers. Merci, chérie. Donc, c'est celui-ci. Je ne l'ai pas soudé à l'envers. J'ai soudé, là, vous voyez, il y a une encoche ici. Il y a un petit, euh, un petit angle à 45 degrés et euh, l'angle à 45 degrés, il est de ce côté en fait. Euh, j'ai posé la question asile 8-bit parce que je ne vous cache pas que, vous voyez, euh, si je dois le défaire, j'ai toute cette série de soudures là à passer à la tresse, à nettoyer, à défaire pour ressouder. Et euh, ça m'a l'air symétrique, alors j'aimerais sa confirmation, savoir si ce genre de support est réellement symétrique, auquel cas ça poserait pas de soucis. Mais bon, bref. De toute façon, j'ai encore pas mal de boulot, j'ai pas mal de, de supports socket euh, à fixer, il y a encore le support... Euh, euh, ici, c'est un support d'une petite pile et euh, j'ai encore une série de condensateurs à fixer. Je ne sais plus ce qui reste encore là sur le côté. Ah si, le connecteur USB et autres. Donc, je vous tiendrai bien sûr au courant. Euh, retour à la page du projet. Euh, L'idée, c'est qu'à l'arrivée... Euh, où est-ce qu'il le met Où est-ce qu'il le met C'est pas là, évidemment. Il euh, y a tout un OS qui va avec. Et je sais plus où il est. Euh, donc en plus, voilà, il y a. Je sais pas comment je vais m'y prendre. Il faut que je retrouve un clavier en en format PS2. Enfin, on va on va trouver tout ce qu'il faut. Hein. On va on va aller jusqu'au bout. Et il me semblait qu'il y avait. Ah bah oui. Il, il met un petit émulateur pour voir. Hein. Je vais vous le montrer. Ah putain, ça fait deux fois que je me fais la blague, mais sans déconner. Hein. Oui, je sais, je sais, je sais, Chavney, je sais, je sais, j'irai vraiment avec grand plaisir. Euh... Allez à Dante ça me plairait. Euh... Donc, je n'ai aucune idée de ce que je suis en train de vous montrer, puisque euh, j'ai allumé euh, euh, l'émulateur et je pense qu'il doit falloir euh, en savoir un peu plus. Je vois qu'il y a des breakpoints, hein, ça permet de débugger directement. Donc, là, on a les registres, je suppose. Ouais, c'est ça. Mais alors euh, s'il n'y a pas, euh... ah, c'est dommage qu'il y ait pas un petit bout de code tout de suite. Comme ça, je vous aurais montré. Euh... Bon, ce n'est pas très grave. Euh, de toute façon, il faut que je termine, euh... bah, que je dessoude le socket que j'ai mal soudé, que je soude tout le reste. Donc, il y a un petit peu de boulot. Euh, mais évidemment. Euh... Je vous tiendrai au courant de ce que je vais pouvoir faire avec. On a. Hop, je sais plus où est là, ici. On a évidemment hop, un super projet du Zill 8-bit OS. Donc, il y a pas mal d'explications pour tous les fans d'OS. Euh, donc, il explique pourquoi il a fait un OS de plus et ainsi de suite. Peu importe. Moi, je trouve ça intéressant comme démarche, de toute façon. Euh, moins de boulot que RC 2014. Oh, je sais, euh, je, sais, 2014, je sais pas. Ce que je sais, c'est que RC 2014, à l'arrivée, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai beau être prudent, par étapes, vérifier 200 fois. Euh, ça n'a jamais fonctionné pour moi. Ce qui est une manipulation qui n'a rien à voir avec le projet. Hein. C'est moi qui n'ai pas réussi à le faire fonctionner. Donc. Euh... Je n'ai pas entendu après. Tu peux t'en servir pour faire quoi C'est un truc à la Arduino. Non, non, c'est vraiment un ordinateur basé sur un Z80 il euh, y a une petite carte vidéo que tu peux acheter aussi à côté pour avoir une sortie VGA il y, euh, y a vraiment un tas de choses à brancher dessus euh, je, du coup j'ai un doute est-ce que... Est que je vous ai partagé c'est pas sûr je suis pas sûr de vous l'avoir partagé je vais vous le partager au cas où j'ai oublié tout à l'heure voilà donc voilà, je peux vous partager tout ça. Euh, faire un PC de poche, on peut toujours envisager de faire un PC de poche. Mais j'ai déjà de beaux objets basés sur euh, des cartes CM4 Raspberry, la, la Clock Warpy. Il faut que j'en je, ai un, un usage un peu plus avancé, euh, puisque j'ai repoussé plein de projets après mes vacances. Euh, ah, salut Marshmallow, bienvenue. Euh, j'ai déjà quelques idées de ce que je peux faire. J'ai reçu, tiens, voilà, dans les choses que je peux vous montrer... Euh, euh... Quel est le garçon le plus bordélique sur cette planète? Euh... Euh, le voilà. Hop, on va repasser en vue euh, comme ça. Et... Je ne sais pas si on va la voir. Voilà. Je vous en avais parlé. C'est une petite carte avec un un micro microcontrôleur euh, RP2040 euh, que je vais pouvoir brancher à l'intérieur de la Clockwork Pi pour rajouter euh, euh, des entrées-sorties d'un RP2040 et que je pourrais piloter directement depuis le Clockwork Pi. Hey Bonjour, bonjour, euh, Zil8bit. C'est là où je regrette de pas avoir mon petit système pour faire un invité euh, comme ça à la volée. Tu aurais pu venir nous expliquer un peu plus. Oui, oui, le projet... Euh, bah le projet est intéressant, hein, euh, j'en ai déjà parlé plein de fois dans l'émission. Euh, j'ai des Z80 qui traînent pour essayer de comprendre vraiment les super bases. Je me suis fait plaisir en achetant certains bouquins autour de mon premier ordinateur, le ZX Spectrum. J'ai pas euh, l'ensemble des connaissances, mais euh, j'ai fait une tentative avec le RC 2014, mais j'ai foiré quelque chose et j'ai toujours pas réussi à débuguer ce qui s'était passé. Euh, et donc, tout le monde était en train de se moquer de ma soudure que j'ai ratée, comme tu l'as signalé sur, euh, sur Twitter à juste titre, où euh, j'ai euh, l'encoche qui n'est pas au bon endroit. Donc, il va falloir que je me tape. Je ne sais pas, il y a une trentaine de soudures à, à passer à la tresse pour pouvoir euh, pivoter d'un demi-tour euh, le support. Même si je ne suis pas sûr, vu la gueule du support, je ne sais même pas si ça aurait un impact. Mais en tout cas, voilà, je vais je vais me taper une petite phase de, de tresse à dessouder. Et puis euh, on mettra ça dans l'autre sens. Donc les, les gens se demandaient à quoi ça pouvait bien servir. Et donc c'est pour ça qu'on était sur, euh, sur la page euh, du projet. Et en fait, euh, ne serait-ce que comprendre le fonctionnement d'un ordinateur. Moi, je... Oui, et la board est disponible déjà soudée. Euh, je vous confirme, c'est ce que j'ai évoqué. Sauf que moi, quand j'ai acheté, elle n'était pas disponible. Il n'y avait que le kit. Je l'avais pris tout de suite sur, euh, sur Tindy. Euh, mais ce n'est pas grave. Hein, ça... C'est ma faute à moi si j'ai si décalé ma soudure. J'adore souder de toute façon. J'aime moins dessouder, c'est là où je râle. Mais euh, non, non, j'adore souder. Pour moi, c'est une activité proche de la méditation, donc il euh, n'y a pas de souci. Euh, je, vais, je vais terminer. Le, le guide est bien fait. Euh... Non, non, mais enfin, oui. Si tu peux vérifier qu'il n'y ait pas de problème avec la soquette, oui. Mais euh, s'il y a un sens à respecter, je vais prendre le temps patiemment euh, de passer la tresse et puis de faire ça euh, correctement. Hein. Je, 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 je jetterai un oeil, mais... Euh... Oui, j'ai un fer à air chaud que je n'ai strictement jamais utilisé. Ce serait l'occasion de le sortir et de l'utiliser. Euh, tiens, ça peut être une occasion, tiens. Ouais, je vais faire ça, tiens. Ça me fera l'occasion de, de le tester. Je n'ai aucune idée de comment je vais l'utiliser pour décider dé exactement tout ça, mais... Euh... Mais ça me permettra de faire un test parce qu'il y a un moment que je l'ai. Je n'irai pas jusqu'à dire, comme vous l'avez vu, que mon bureau est rangé actuellement, mais euh, je dois avoir la place de poser la station à dessouder à côté. Euh, mon fer à air chaud. Donc je ferai un essai. Je veux bien euh, effectivement ta réponse si tu penses que la, la... la soquette est utilisable comme ça, mais je... il faut que ça soit fait proprement. Comme ça, je, je n'aurai aucun doute au final, euh, vu que j'ai tout vérifié. Quand j'aurai tout assemblé, voilà, je saurai que ça doit fonctionner correctement, que j'aurai fait tout proprement. Et puis comme ça, une fois que j'ai fini, ben, j'ai vu que tu avais fait une carte vidéo, et donc ben je plongerai sur la carte vidéo aussi. Donc je sais pas où on peut. Alors voilà, pour ceux que ça intéresse, hein, je vous ai mis le site. Voilà, donc vous voyez ce qui est proposé. Euh, donc moi ce que j'ai pris, c'était le kit. Vous voyez qu'il y a la version déjà soudée il euh, y a une VGA board donc euh, probablement que j'irai faire un tour hein, pour, voir, pour voir comment, comment ça marche je vois, ah mais t'as un adaptateur de compact flash ça, ça, ça a évolué et il faut, dans tout ce que j'ai il faut que je ressorte un clavier un clavier qui a encore une prise PS2 je, je pense que je n'ai pas tout jeté me connaissant ça doit, ça doit s'être entassé quelque part ah, il y avait aussi un article. Voilà, elle est là, pardon. Voilà. Avril 2024, donc euh, c'est tout récent. C'est pour ça que je ne l'avais pas commandé avec, sinon je l'aurais commandé avec aussi, pour euh, la curiosité. Euh, ça me fait penser qu'il y a un, un talk de Olivier Baird sur, euh, sur ce genre de choses qui est formidable aussi, comment créer votre euh, circuit capable de générer un signal VGA. C'est extraordinaire. Bref. Euh... Donc voilà, voilà les caractéristiques de cette carte. On est sur du 320-240, 256 couleurs, 128 sprites animés à 60 Hz. Ah mais on va pouvoir faire quelque chose de, de vraiment sympathique à l'arrivée. Euh, je dis ça. Non, je l'ai encore. J'étais en train de chercher quel était le, lequel de mes écrans j'allais pouvoir utiliser avec une prise VGA, mais j'ai encore ça. J'ai encore ça. Donc euh, ok. Ah, et ta carte est basée sur un... Ok, il y a du FPGA dessus. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Et à l'arrivée, donc c'est sur le. Je ne l'ai pas encore soudé. Donc, hop, sur l'image que vous voyez là, sur toute la partie là à gauche, vous avez la, la carte mère du, du ZIL 8-bit. Et puis ici, vous avez un connecteur ici, qui du coup est utilisé par la petite carte vidéo que vous voyez là. Et je confirme euh, ce que dit Aurélie. Euh, moi, la soudure, euh, c'est aussi une activité euh, de décompression. Étrangement, ça ne me stresse pas du tout. Au contraire, même si je me rends compte que j'ai fait une connerie après coup, c'est pas très grave. Donc voilà, ah, je vois que eh non sur l'image, on parle de 320 de 540 et je vois que tu as aussi un mode 640 480. Eh ben, on va regarder tout ça euh, et puis je verrai parce qu'en termes d'écran, je crois que j'ai essayé d'en récupérer un. Bref. On va retomber sur le projet OpenLed Race aussi où je veux un petit écran d'affichage à balader dorénavant puisque dans ce cadre-là je veux afficher un certain nombre d'événements mais nous en reparlerons quand nous en serons là. D'accord, on a le pinout, memory mapping. Donc voilà, vous avez toute la doc. Hein. D'accord, il faut upgrader avec le okay, côté bootloader. J'en suis pas à cette phase et on refera de toute façon des émissions pour vous tenir au courant des évolutions. De mes aventures avec euh, ce petit Zil8bit. En tout cas, euh, c'est gentil d'être passé. Euh, donc, du coup, je dis pas de bêtises. Tu es à minima francophone vu comme tu t'exprimes. Je ne sais pas si tu es français, mais en tout cas, voilà. Vous pouvez vous adresser. Euh, je crois que sur Twitter, c'est pareil, c'est le même compte, hein, Zil8bit. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à lui poser des questions. Euh, voilà, un fort joli projet, ma foi. Euh, voyons voir, est-ce que j'ai fait le tour, euh, oui, des principales choses que je voulais évoquer avec vous Est-ce que j'avais dans mes liens... Bon, je pourrais dire des gros mots au sujet de l'État qui veut acquérir les activités souveraines du géant informatique Atos qui maintenant est en perte. Mais ce sera pour plus tard. Euh, non, ça, ça ferait l'objet de... Non. J'ai le picoSynth, mais... On en reparlera aussi. Non, ça c'est tout bon. Ah, J'ai vu qu'il y avait JC Frog aussi qui avait publié sur Twitter une, une petite image, une petite image, une petite, un petit tweet avec une chanson qu'il a générée par IA en métal et qui était, qui était crédible. Donc, vous pouvez y jeter un oeil. Ah, tu es français et tu habites à Shanghai actuellement. D'accord. Ok. Bah tu vois, j'étais plus proche de toi quand j'étais en Malaisie. Mais comme les Français qui sont là-bas... N'est-ce pas Didier, quand ils sont là-bas, ils vont se coucher à l'hôtel plutôt que de venir me voir <laughs> Ah, c'est vraiment raté de peu avec Didier, ça s'est passé à ça. Moi, j'étais pas depuis assez longtemps à Quala, sinon, je crois que je, je sautais dans un grab et j'allais le voir. Donc, Shanghai pour toi, euh, donc tu es sur quoi Du plus 6 euh, ou 7 heures, un truc comme ça Ça donne quoi le fuseau de Shanghai, Shanghai. Il est 19h38 pour toi. Ok. Ok, ok. Eh ben écoute, euh, tu peux continuer à suivre. Tu es le bienvenu. J'ai mis le lien tout à l'heure, je peux le remettre. Si tu veux venir discoter, discuter sur le, le Discord de la petite communauté qui s'est montée autour de l'émission Calme, là. On, on, on a plein de canaux évidemment euh, sur le rétrocomputing, sur les microcontrôleurs, sur l'électronique. Donc si tu veux venir discuter avec nous de, de ça, on a justement Didier qui est à, qui est à Hong Kong. Euh, voilà, si tu es le bienvenu si tu veux rejoindre la petite communauté. Euh, ça sera avec grand plaisir. Et paf, je te vois en direct apparaître. Donc sache qu'il faut quand même que je te donne. Hop. Alors ça c'est en direct. Hein. C'est en recul devant. Aucune cascade chez Calm. Voilà. Donc je te souhaite la bienvenue pendant l'émission sur le Discord. Et est-ce que, alors Chavenet pose la question, c'est possible de faire évoluer le projet avec un IZ80 euh, Si je ne dis pas de bêtises, le IZ80 c'est la version 16 bits, c'est ça On va aller chercher tout de suite. IZ80, merci de me faire drifter parce que j'étais sur le point de terminer, ce serait moche. Que dit Wikipédia sur le sujet euh, Hop hum. Une version mise à jour du Z80. Binary compatible avec le Z80. Oui, parce que aussi dans les news qu'il faut que nous euh, partagions au passage, il y a eu... Euh, bah, Zilog a annoncé qu'il allait cesser la production, parce qu'il y avait encore des, des productions qui avaient lieu de Z80. Donc ça va, ça va s'arrêter là, malheureusement. Donc il va falloir peut-être trouver des, des alternatives. Eh bien, euh, bon retour. Oui, c'est ce qui me semble, c'est qu'il y a quand même pas mal d'adaptations à faire. Écoute, euh, n'hésite pas à nous en parler, et euh, ça fait un petit moment que je réfléchis à refaire une émission avec euh, avoir un invité éventuellement, donc je te repingerai si on peut se monter un truc comme ça, sur des créneaux horaires qui te conviennent évidemment. On verra si on peut se faire une petite émission, que tu viennes nous parler un peu de, bah de ce projet et des éventuels autres projets. Et puis, euh, bah, n'hésitez pas à venir discuter sur le Discord. Oui, je pense qu'effectivement, il faut un peu d'adaptation pour... Euh... ouais je vois qu'il y a, oui. Ok. Ça doit être possible de faire le même genre de projet avec un EZ80, mais effectivement, il y aura de l'adaptation. Merci beaucoup, ZLateBit. Euh, je te vais t'appeler par ton pseudo. Euh, et c'est euh, avec plaisir que nous t'avons accueilli dans l'émission et dans la petite communauté. Nous échangerons euh, sur le Discord probablement ou même certainement. Eh bien, c'est pas trop mal comme émission, comme retour. J'espère que tous les petits orphelins d'Olivier qui n'a pas pu faire son émission mais qui pense très fort à vous. J'espère que vous avez pu avoir un peu du contenu. Euh, je le laisserai vous faire plein de, plein de news autour de la version de MS2 s'il a en envie et, et les news qu'il a communiquées cette semaine. Euh, passez une excellente journée, passez une très bonne semaine. Euh, J'ai euh, plusieurs sujets euh, tech dans le tiroir là, après ces vacances. là C'est en pleine ébullition. Donc euh, on évoquera tout ça d'émission en émission ou sur le Discord, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Je vous fais plein de bisous, euh, merci à toutes et à tous et à très très bientôt. Salut salut